Ministère public contre M. C.C. Raphaël Lavard, M. Alphama Doubadé, M. Marcel Villarobi, M. Claude Pivi, M. Moussa Kiboro Kamara, M. Brema Kamara Di Kalonzo, M. Aboubakar Diakité Di Toumba, M. Blaise Goumou, M. Moussa Davis Kamara, M. Mamadou Aliou Keita, M. Abdoulaye Chérif Diaby, M. Paul Mansa Guilabogui. Parti civil, M. Ouri Bailoba et plusieurs autres. La Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents, victimes et amis du 28 septembre 2009, AVIPA, M. Omar Sano. Venez à la barre, s'il vous plaît. S'il y a d'autres témoins dans la salle qui sont priés de sortir de la salle et de rejoindre la salle aménagée pour les recevoir. Monsieur le Président, oui, attendez. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, honorable assesseur. Je prends la parole ce matin au nom du collectif des avocats de la défense, constitué pour des différents accusés dans cette procédure. Il vous souviendra, Monsieur le Président, que à l'audience, je crois, le lundi qui a précédé la semaine dernière, on a relevé des faits auxquels nous sommes confrontés depuis les événements du 4 novembre qui a effectivement occasionné l'attaque de la maison centrale et effectivement l'enlèvement d'un de nos clients. Depuis cette date, Monsieur le Président, excusez-moi, Monsieur Sano, honorable, excusez-moi, Monsieur Sano, asseyez-vous d'abord. Depuis cette date, Monsieur le Président, honorable assesseur, des avocats que nous sommes n'avons pas accès à nos clients à la maison d'arrêt. Et vous souvenez, Monsieur le Président, que parmi les accusés, beaucoup ont été placés en détention provisoire jusqu'au jugement et d'autres se sont constitués prisonniers à l'ouverture de cette procédure. Et le seul endroit où nous, avocats, pouvons rencontrer nos clients pour discuter avec eux dans le cadre de la préparation de notre défense dans la présente procédure, c'est la maison d'arrêt. Ils sont privés de leur liberté, d'autres par le fait des décisions de justice, d'autres par leur propre fait. Mais à partir de ce moment-là, ils ne sont plus libres d'eux-mêmes et nous qui les conseillons. Parce que notre présence dans cette procédure est obligatoire. Les acteurs que nous sommes, si nous devons participer à cette procédure, il ne s'agit pas d'une participation passive. La participation, elle doit être active. Nous entamons une phase, nous avons entamé une phase qui consiste à l'audition des témoins, la déposition des témoins, qui est une phase cruciale du procès pénal, du procès criminel. Une phase de la discussion des preuves. Et des personnes qui comparaissent ici en tant que témoins, Monsieur le Président,
que ce soit celles qui ont été citées par le ministère public de la Défense et la partie civile, ce sont des personnes qui ont à un moment donné collaboré avec nos clients ou qui ont eu, d'une manière ou d'une autre, des interférences avec nos clients. La personnalité des personnes qui comparaissent, monsieur le président, nous devons, et c'est pour ça que la loi exige que la liste des témoins soit communiquée à l'avance pour que nous puissions connaître l'identité de ces personnes-là et nous qui assistons nos clients, que nous discutions avec eux, de ces personnes-là, et venir éventuellement préparer leur défense, bien que les clients ne comparaissent pas actuellement. Mais ces témoins, ce qu'ils diront, ce qu'ils feront, aura un impact effectivement sur le sort de nos clients. Nous ne voulons pas, en tant qu'avocat de la défense, que ce procès soit le résumé de la vie de quelqu'un. Si nous avons décidé de le défendre, nous avons leur liberté, leur vie. Ce n'est pas nous qui les détenons en réalité, mais nous sommes garants, monsieur le président. Parce que nous devons faire en sorte que les déclarations qui vont être faites à cette barre ici, que nos clients soient, les droits soient respectés. C'est pour ça, monsieur le président, les collectifs des avocats de la défense m'ont mandaté auprès de vous, monsieur le président, pour faire passer le message qui est celui de vous notifier la décision que nous avons prise à notre niveau de suspendre d'abord notre participation dans le cadre de ce procès jusqu'à ce que les droits les plus élémentaires de nos clients soient respectés, jusqu'à ce que l'entrave qui existe actuellement à l'exercice même de la profession d'avocat, parce que la question que nous posons, c'est une question existentielle de la profession d'avocat. Et puisque nous n'avons pas accès à nos clients, et puisque le parquet devant votre tribunal a déclaré ne pas être responsable de l'administration pénitentiaire, nous estimons que nous avons le devoir, en tant qu'avocat respectueux de ce tribunal-là, de faire passer ce message-là. Nous comprenons, monsieur le président, l'attente de la population guinéenne. Nous comprenons l'attente des victimes. Quant à la justice qu'elle veut obtenir, nous sommes désolés, nous sommes des acteurs, nous voulons que le procès se tienne et que la vérité soit sûre. Mais nous comprenons également, monsieur le président, les personnes dont nous sommes en train de défendre le droit. Et pour cela, monsieur le président, votre respectable juridiction, nous avions le devoir de venir porter ce message à votre connaissance à travers vous, le ministère public, pour que les décisions idoines soient prises et qu'on permette aux avocats d'accéder à la maison centrale sans entrave. C'est ce message que vous offrez, monsieur le président. Je vous remercie de m'avoir donné la parole et d'accorder une attention particulière au message que je suis en train de véhiculer. Je vous remercie, monsieur le président. Je voudrais ajouter, monsieur le président, que nous sommes pressés plus que tout le monde pour que ce procès aille vite, très rapidement, pour que nos clients soient situés sous leur sol. Mais on ne peut pas aller sans un minimum de garantie. Aujourd'hui, M. Samori, qui est intervenu, a été empêché de rencontrer nos clients. M. Jokame a été empêché. M. Salomon a été empêché. M. Lancine Silla a été empêché. Tous ont été empêchés depuis le 4 de rencontrer nos clients. Monsieur le Président, vous le savez mieux que moi, qu'aucune restriction, aucune limitation, aucune question sécuritaire, rien ne peut empêcher la libre communication, le libre accès d'un avocat à son client. Parce que encore, l'avocat est celui-là qui reste lorsque tout le monde a fui, monsieur le président. Le client a permanemment besoin de l'avocat et vice-versa. Surtout dans un dossier de ce genre, dans lequel, monsieur le président, les charges sont ce qu'elles sont. Donc aujourd'hui, il y a une véritable restriction que nous ne comprenons pas. Et nous ne pouvons pas évoluer si au moins nous n'avons pas l'assurance que nous pouvons à tout moment
préparer la défense de nos clients. Parce que c'est dans cette salle qu'on se retrouve et c'est dans cette salle qu'on se sépare. Ça ne peut pas aller comme ça, monsieur le président. Donc, nous sommes là au nom du collectif pour signifier au tribunal tout son respect que nous avons décidé de suspendre notre participation jusqu'à ce que cette question soit réglée, monsieur le président, et je vous remercie. Monsieur le président, c'est un procès d'envergure. Je rappelle à tout moment que nous devons tous savoir raison garder. Ma foi, on aurait dû saisir votre tribunal pour exposer de manière claire cette inquiétude-là, pour vous dire franchement qu'ils ne rencontraient pas leurs clients, au lieu de vous dire qu'ils rencontraient des difficultés pour avoir accès à leurs clients. À mon avis, ces deux choses sont bien différentes. À présent que cela a été porté à votre connaissance, le droit de la défense étant sacré, monsieur le président, nous, côté parquet, nous nous emploierons à ce que les avocats constitués pour la défense des accusés aient accès à leurs clients au sein de l'univers carcéral. Et ça, dès aujourd'hui, monsieur le président. Donc, si ce n'est que ça, nous vous prions de renvoyer votre audience à demain pour que des dispositions idoines soient prises afin qu'ils puissent rencontrer leurs clients. Encore une fois, cette demande n'avait pas été portée à notre connaissance. Ce qui nous a été dit, qu'ils rencontraient des difficultés. Et ça, c'est compréhensible parce que même moi, pour mes extractions du côté du tribunal de Dixine, c'était des petits soucis. Mais néanmoins, on arrive à les pallier. Donc, monsieur le président, vous voudrez bien renvoyer l'audience à demain pour que nous continuions la déposition des témoins. Je vous remercie. Quoi de la défense unie annonçant sa suspension à la participation aux audiences jusqu'à ce qu'elle ait accès à ses clients. Nous avons également suivi la réaction du parquet. Monsieur le Président, dans ce dossier-ci, il y a une partie qui a intérêt à être pressée pour avoir rapidement une décision de justice. Et bien, ce sont les victimes qui ont réclamé justice depuis des années. Ça, c'est une réalité. C'est pourquoi toute situation qui entrave la continuation de la procédure nous fait assez mal, monsieur le président. C'est une évidence indéniable. Mais de l'autre côté, ce qui est aussi une réalité, c'est qu'il ne faut pas le nier. L'avocat doit avoir accès à son client à tout moment. Surtout dans un procès comme celui-là, monsieur le président, ça c'est une nécessité absolue. Si nos confrères de la défense disent qu'ils n'ont pas accès à leurs clients pour leur permettre de préparer sereinement les audiences, monsieur le président, c'est une situation que nous comprenons parce qu'elle est compréhensible. Si ils décident de boycotter leur participation aux audiences, pour cette cause, monsieur le président, c'est déplorable, monsieur le président. Nous le déplorons, mais nous comprenons la position de nos confrères de la défense. Le plus important, monsieur le président, c'est ce que le parquet a annoncé, qu'il va s'employer à ce que ces avocats-là aient droit à leurs clients. Ça, c'est une nécessité, on ne peut pas le nier à eux, monsieur le président. Donc, pour nous, monsieur le président, nous vous prions respectueusement, comme l'a demandé le parquet, de bien vouloir renvoyer ce dossier à demain, puisqu'il a promis qu'il prendra toutes les dispositions pour permettre aux avocats de la défense d'accéder à leurs clients. Encore une nouvelle fois, je le dis et je le précise, c'est une nécessité et c'est aussi une réalité. Nous avons tous les mêmes difficultés d'avoir accès à nos clients à la maison centrale depuis le 4 novembre. Monsieur le Président, nous pensons qu'en renvoyant ce dossier à demain, vous aurez tout simplement rendu une simple décision de justice parce qu'en matière criminelle,
l'assistance de l'avocat est incontournable. Je vous remercie. J'ai toujours dit, ici c'est une tribune où on apprend. Monsieur le Président, nous avons fait une semaine ici de formation en déontologie et autres. Je ne vous dis pas les petits détails. De grâce, nos confrères devraient nous écrire. Ça, c'est manque de courtoisie. Nous, on n'est pas censé être informés, sauf aujourd'hui. La moindre des choses, les confrères devraient nous écrire. On a un forum, on a un groupe WhatsApp. Nous informer ou par un courrier. Ça, c'est une violation des règles déontologiques élémentaires. Je ne peux pas rapporter la preuve contraire. Deuxièmement, Monsieur le Président, c'est vrai. Si les avocats des accusés ne sont pas là, on ne peut pas tenir le procès. Il faut qu'on évite d'en abuser. Nous savons tout ce qui s'est passé le 4 novembre. Ce n'est pas seulement les avocats de l'affaire de 28 janvier qui n'ont pas accès. Mais moi, je n'ai pas accès, personne n'a accès. C'est une mesure générale en ce moment. Donc, Monsieur le Président, je voudrais rappeler à tous les acteurs que cette affaire est suivie au plan national et au plan international. La moindre des choses, c'est de nous écrire. Mais on est informé ici, on est surpris. Qu'est-ce qu'on fait de la déontologie, de la profiter, qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est pourquoi j'ai dit l'autre fois, au lieu de dire que c'est tel juge, c'est la justice, etc., que nous balayons devant notre porte, que nous changions de comportement. Je m'en remets à votre sagesse, Monsieur le Président. C'est ce que j'ai à dire. 6 novembre 2023 pour l'absence des conseils des accusés. L'audience est levée.